One Against Nice, Beast to Fly, about TV1. Donc, à l'époque, il y avait Alex Kidd. Donc, moi, j'étais là en mode souffre-tuche, comme ça. C'était juste après mon accident. Oh, I got it, baby, yeah. Voilà, j'étais obligé de me faire un steam pack toutes les deux minutes, tellement j'étais mal. J'étais comme ça, en train de me tenir les côtes. Et ça donnait, d'un côté, Alex Kidd. Oui, alors non, moi, je commence à en avoir marre de avoir des horaires fixes, ma communauté veut des horaires fixes, c'est intolérable. Cohérent. Honnêtement, je ne veux pas défendre Alex Kidd, c'est beaucoup cohérent. Et en gros, il demandait juste des horaires fixes. Toutes les semaines, ça change, les gens ne peuvent pas me suivre correctement, je veux des horaires fixes. L'avenir lui a donné raison, puisque c'est lui qui fait de loin les meilleures émissions de midi, et je l'en félicite, et je lui fais des bisous s'il nous regarde. Voilà. Et il a bien fait de faire ce qu'il a fait. Et Clénex, de l'autre côté, mauvaise foi, man. Il faisait du SC2 en stream et il a, oui, disparu, eh ben, il a un jour comme ça. Comme ça. Et je pensais qu'il avait été viré, alors que dans la vidéo... Mais pour être viré, il faut être employé, enfin, respectez-vous un minimum. Il fout quoi maintenant? Non, mais arrêtez, arrêtez de me bloquer. Je sais pas, je répondrai après. J'ai même pas tenu là. Et alors, de l'autre côté, il y a RC. RC lui fait, oh là là. Alors, RC est très dédaigneux. Il fait, non, mais... Arrête ta paranoïa, Alex Kidd. Enfin, en fonction des compétitions, blablabla, de ci, de là, tu vois, tu comprends. Ok, alors, ça suffit maintenant, tu comprends, stop, parce que hyper important, par rapport au fait que planning, trop dur à faire, moi, pas possible, non, tu peux pas être horaire fixe, blablabla. Oh, tout le monde comme ça se... Ok. Oh, oh, voilà, ça faisait hyper mal à la tête. Donc, au bout d'un moment, moi, j'étais là, j'étais... Ouais, mais non. Voyez, moi, j'ai juste revenir, mais vous devez vous aimer. Alors maintenant, Alex Kidd, tu tends la joue. Et Rémi, tu vas trop comment faire un bisou à Alex. Alex disait, ça va enculer, peut toujours crever. Barre-toi, salope. J'aime pas que la merde me touche. De l'autre côté, ouais, le pauvre Alex Kidd, tu comprends, ouais, le pauvre, il a pas les horaires qu'il veut, alors il est pas content, hein, c'est ça, très dédaigneux. Non, mon père, non, mais tu parles mal aux gens. Alors, voilà, parce qu'il faut savoir que Monsieur RC, quand il est dédaigneux de quelqu'un, parle mal aux gens. Voilà, il faut que les gens le sachent, il parle mal aux gens. Et alors je lui dis, non, tu parles mal aux gens. Et Alex Kidd, il est parti, il dit, je pars pas parce que c'est un con. Je parle parce qu'il n'a pas de respect. Et donc voilà, il est parti parce qu'il s'est fait chier dessus par Rémi. Il a fait, non, je ne me fais pas chier dessus, sinon je vais le tuer. Donc je me casse. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a Alex Kidd aussi, que j'ai oublié. Parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Ah oui, j'ai oublié cela. Tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts pour remettre... pour que le tous ceux qui sont morts dans le la voguage du bateau de l'histoire. Oui, on a la Frogette TV, bien entendu. La Frogette TV, c'est comment il s'appelle, mon pote qui fait du Dota, mais ça compte pas parce que lui dans l'histoire il est rien. Comment il s'appelle, oh là là, j'arrive pas à me rappeler son nom. On a eu Chechounet. On a eu Chechounet également. Chechounet, excuse-moi, j'ai oublié. Alors Diablo the Tank, non, parce que Diablo the Tank, il a dit un jour je me casse, donc ça c'est différent. On a eu Bijorn également aussi. Donc, Luciano, merci beaucoup. Non, mais Luciano, c'est mon pote, hein, je le chambre parce que je sais qu'il regarde souvent l'émission, en particulier ça. Luciano, t'es un tas de merde. Voilà, je te le dis comme ça, c'est fait. Ton jeu, c'est de la dope. Je veux dire, Dota. Alors, Dota, quel est le quota de la jauge de Dota dans l'e-sport? Où est Dota dans l'e-sport? Là, facile. Là, il y a League of Legends. Avec Dota, ils font comme ça. Oh, c'est moi le chien. Non, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. C'est vrai, tu le vois sur Twitch. C'est Dota, c'est moi. C'est moi. Avec, et en face, comme ça, t'as Counter fait. Non, moi. Et ainsi de suite, tu vois. Alors, par contre, en France, Dota, ça fait comme ça. C'est un jour story. C'est à voir. Nous, en France, on s'en bat les couilles de Dota. Je veux dire, on en a rien à péter. Qui est le plus gros cash prize du monde? Tout le monde a envie de pisser sur Dota. C'est Dota, c'est... Voilà. Alors, la réflexion, c'est... Dota, c'est pour les PGM. Non! Dota, c'est pour les mecs qui boivent de la vodka. Dota, c'est pour ces comptes chinois. Dota, c'est pas pour les Français. Nous, on est pinards. Nous, on n'aime pas ça. On n'aime pas. C'est pas possible. Alors, il faut savoir...
un jour à une des réunions pleines d'air. Alors, je sais plus qui sort ces chiffres, mais je crois que le jour où ces chiffres sont sortis, j'ai vu Luciano décédé. Alors on était qu'en vocal, mais je l'ai vu comme ça. Il fait, Luciano, ça va? Oh là 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 là. Commander un cercueil. Ouais, châtaignier, ouais. On dépense sans compter. Un cercueil en châtaignier parce que là, il est... Oh là là là. Oh, il est au fond. Oh, c'est Zombieland. J'ai plus qu'un dans ces chiffres. Mais... Alors, les chiffres des jeux les plus joués en France. Et parmi les chiffres des jeux les plus joués en France, t'as les chiffres, combien, quelle est la communauté, par exemple, de Counter-Strike en France par rapport au monde, combien est-ce qu'elle représente. Il y a 40% des joueurs au monde qui sont français sur Counter-Strike. Je dis des conneries, hein, c'est n'importe quoi. Et alors, sur Dota, sur Dota, donnez un chiffre. T'es qui dans l'e-sport français Dota 2? Alors, combien de personnes en France... quelle est la quantité de la communauté française par rapport au totalitaire de la communauté de Dota dans le monde of the world? Vous avez compris, hein? À combien s'élève le pourcentage de joueurs de français de Dota 2? Le verbe vite te demande, t'es qui dans l'e-sport? Ah, Santos nous dit en 0,2%, pas mal. Je vois à 2%, pas mal. Je vois à 10 000, pas, alors pas du tout, 5%, non, 0,5, non. Pas du tout, on va avoir un gagnant. 0,01, non. Non plus, 0, non plus, 0,1, 1%. Vous êtes pas loin, ceci étant. 0,8, pas mal. Pas mal, Mamba Panda, bonsoir, on s'en rapproche. 2 joueurs, pas mal aussi. Non, 2, pas 2 joueurs. 0,5, non. Attention, Dota, c'est de la merde. Non, c'est de la merde, mais tu n'aimes pas. C'est pas pareil, c'est les gens qui n'aiment pas la merde qui disent ça. Vous buvez pas l'eau, c'est bon, non? 09, 03, 075, il n'y a personne qui va me le sortir. À 06, monsieur Roman 1 est notre grand vainqueur. 06% des joueurs de Dota 2 dans le monde sont français. Parce que monsieur RC lui dit, écoute-moi bien, Luciano. T'es bien sympa avec ton Dota, you know? Mais tu fais pas le chiffre. Alors si tu fais pas le chiffre, nous, on peut pas mettre l'argent qu'on n'a pas, qu'on met pas sur toi, qu'on mettra pas sur les autres non plus. Sur toi, tu comprends? Là, il fait quoi? Et là, je crois que c'est Elvis qui fait 0,6% des joueurs de Dota dans le monde sont français. Et là, il a convulsé. Je lui ai donné de ma morphine directe. Moi, j'étais encore malade. Je l'ai vu, je ferai jamais... Jamais j'arriverai à faire des stades de folie. Jamais, c'est pas possible. Il y a un village de 50 personnes dans l'Arzac qui joue à mon jeu. C'est le village de Dota d'Avergne. 0,65 nous dit Naughty. Il a su que c'était foutu pour lui. Voilà, il a su. Du moment où il a entendu ça, il a su que c'était fini. Qu'il allait. Là, il s'est. Mais ce jour-là, il sait qu'il était petit, fini, parti. Hop. Il n'a pas eu besoin de le pousser, il a pris la porte tout seul. Désolé, j'y vais. Excusez-moi. Je vais aller faire du démineur en réseau, ce sera mieux. Je fais faire des compètes de démineur en réseau. Donc voilà. Donc du coup, il est allé SIJVC. C'était bien. Il a bien eu raison. Voilà. Et j'ai oublié quand même un maximum de monde qui étaient tous dans la même barque et qui étaient tous dans la croyance. Alors, vous connaissez le Mandarum? Eh ben, CP faisait un peu comme lui. Et il est allé voir les gens, il disait, j'aime trop comment ce que tu fais. Chez Millennium, les talents comme toi, on les kiffe, on les veut. Tu aimes League of Legends, tu aimes le jeu vidéo, tu veux être quelqu'un dans l'e-sport, je suis là pour toi. Oui. Alors, toutes les structures ont fait ça, hein, sauf les sérieuses. Hein. Voilà. Je veux le faire. Je suis là. Et tu veux que je te paye pas. Je suis là. Tu aimes le... Tu as envie de t'investir pour rien du tout pour le COPEC. Je suis là. Tu veux être le esclave de mon travail à moi. Tu veux qu'après je le revende à la Dwight Schrute, le milliardaire, en lui faisant croire que j'ai des super stats, alors qu'en fait vous êtes 200. Dans le bot people à travailler pour moi? Les bénévoles, appelés aussi petites saucisses. Alors, le bénévole, hein, il est comme ça, tu vois. Et à côté de lui, il y a un autre bénévole. Et
Et ils te font rouler dans la petite tranche de lard comme ça. Elles sont comme ça. Ah, c'est bien le lard. Je me sens bien, le gras, c'est la vie. Elles sont pas à côté. Millennium. 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 Et ils sont tous en train de faire comme ça. Millennium. Alors, tu en as de partout. Tu en as de partout. Tu en as qui font. Alors, t'en as à la télé. Ils font le planning. T'en as à la télé. Les rediffusions. Y'en a, ils sont comme ça. Pendant la rediff, la nuit, jusqu'à 9-10 heures du mat. Argent pour Millennium. Copère pub. Vite. Argent pour Millennium. Coupeur pub. Et ainsi de suite. Et le mec, toute sa vie, fait des coupeurs pub pour Millennium. Allez, il y en a, ils font des graphismes. Ah, Millennium. Ils font des dessins. Et on leur dit, c'est de la merde, refais-le. Oui, Millennium. Pour rien. Ah, moi, je crois en l'e-sport. J'ai que l'e-sport est une avancée en France. T'es rien dans l'e-sport. Tu es un cafard. Continue. Oui, maître CP. Oui, maître CP. Ah, Millennium. Voilà. Alors, ça marche aussi chez Christian. Il y en a aussi. Alors, Show Gaming, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors, en général, on les prend mineurs, comme ça, ils sont naïfs. Bon, toute façon, moi, tu vois, les études, c'est trop comment terminer. C'est de la bouse. Moi, je vois trop comment dans l'avenir du futur. Et j'ai trop comment décider de m'investir dans un marché trop comme porteur. Parce que tu sais, chez moi, j'ai un PC ordinateur. C'est un HP Hewlett Packard avec une GT270. Trop boosté de la mort. Avec un méga disque dur de 500 mm. Et je fais trop comment du montage sur mon Photoshop 6.2. Et puis, j'ai rencontré une structure trop sérieuse en France qui fait rêver que trop comment de l'e-sport. Et moi, je pense trop comment, tu vois, je commence bénévole. Parce que j'y crois, tu vois. Et puis, il faut qu'il y ait des gens qui fassent avancer les choses. Et ben moi, je veux trop comment être parti, d'être dans le bateau, tu vois. Moi, je veux faire partie de la croisière. Moi, j'y crois. Et moi, je sais qu'au bout, et ben, de l'autre côté, et ben, il y a la terre promise. J'aurais trop comment mon CDI. J'aurais trop comment un trop beau taf. Et j'aurais pu le prendre à la force de mon poignet hier. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis comme Mark Twain. Moi, j'ai des grands rêves. Et pour jamais les perdre de vue, tu vois. Trop comment ce que je veux dire. Voilà. Ils sont tous naïfs. Alors, il y en avait aussi, bien entendu, à la rédaction. Comment est-ce que tu veux sortir avec 4 rédacteurs employés 50 news à la minute? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu avais bien entendu les bénévoles du Live Play, exactement. Alors, après, tu les pousses un peu comme ça, hein. Non, tu les dégages. Tu les... Et plus, et qu'est-ce qui se passe? Ça change comme ça, le bénévole. Il pleure, voire même qui débarrasse, parce qu'il se suicide. Non. Je suis plus Millennium. Tous les autres, c'est comme ça. Millennium. Millennium. Alors, au pire, il va ailleurs, tu vois. Voilà. Ils font tout. Ils font. Voilà. Par exemple, le boost était pseudo-bénévole. Hop, dégage. Terminé. Bon, maintenant vous croisez le boost dans la rue, vous le respectez. J'ai les concierges clés d'or. Et puis, il est comme ça, là. Le boost, c'est pris une quenelle comme ça de Schwarzenegger dans le fion. Et il y a ses bras, c'est mes cuisses, comme ça. Comme ça. Chiron, qu'est-ce qu'il y a, un problème? Ah, j'adore cette couleur. C'est trop bien. C'est flamboyant, c'est beau. On voit que c'était un soleil. Je kiffe tout ce que tu fais. Ah non, très, très, très fort maintenant, le boost. Il rigole plus du tout. Voilà. Donc voilà, tous les bénévoles voulaient aller en croisière, Millennium. Ils y croyaient, on va aller vers la Terre promise et tout. Bon, alors, il y a eu un petit problème, c'est quand on m'a dit qu'au poste de commandement, il n'y avait que des cons. Donc ça s'est plutôt mal terminé. Tous les petits bateaux que vous voyez autour, là. Attendez, je vais vous faire un gros plan. Tous les petits bateaux que vous voyez autour, là, c'est les petites structures qui viennent récupérer les petits bénévoles un peu cons, tu vois, qui croient encore. Ah ouais, c'est pas grave. Celui-là, il n'est pas arrivé avant toi, mais t'inquiète, je vais en prendre un autre. Et avec eux, on va foncer droit devant. Ouais, je vais aller chez Insara, ça va trop comme Maroxer. Ouais, je vais aller chez A, je suis sûr qu'un jour ils vont exploser. Mais non, hein, ils sont dépendants, Cuyon, c'est les irréductibles petits villages gaulois. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais j'y crois, t'inquiète, je vais trouver. Ouais, mais ça n'a pas du tout marché non plus pour eux, hein. C'est comment ça se passe. Merci Adobe d'avoir ce balach. Voilà, donc je m'excuse auprès de tous ces bénévoles qui ont fait clairement bien plus que nous tous réunis, c'est-à-dire tous ceux